les deux. Merci. Des bouteilles tous les deux. Ah oui, jusqu'au bout. Ouais. On y a cru jusqu'au bout, on y a cru jusqu'à 4-5 heures de l'arrivée. Les conditions étaient quand même assez incertaines, avec des orages, pas trop de vent à la côte et tout ça. Donc toutes les opportunités étaient là, quoi. Oh là là. On a stressé jusqu'au bout parce qu'on se disait la tactique est là, on est bien placé, est-ce que ça va être comme on l'a imaginé? Puis bah, au dernier moment, voilà, on a vu que le conservateur était très proche de la ligne, plus proche que nous du moins. Ouais, mais bon, c'est finir derrière eux, c'est quand même vachement bien. Et c'est un superbe équipage tous les deux, c'est deux très très bons marins. Et puis ils sont dans leur deuxième ou troisième année, donc le bateau est bien au point et ils sont efficaces, voilà. Nous, parfois, il nous a manqué un petit peu d'efficacité, notamment au portant, où on avait un peu de mal à trouver nos repères et à trouver les bons compromis cap vitesse. Et c'est là-dessus, en fait, qu'ils ont réussi à faire la différence. On a cassé notre anémomètre dès le deuxième jour. Donc on a fait toute la course sur les sensations. Le bateau étant neuf, il a 2 mois, les sensations on les a peu travaillées avant. Donc ça c'était ce qui nous a le plus pénalisé en fait. Super duo, on se connaissait pas avant un peu la construction du bateau. Et c'est vrai que Sam m'a dit qu'il était intéressé par faire cette transat. Et pour moi c'était une vraie opportunité quoi, d'avoir l'architecte à bord. C'était un gain de se dire que le bateau devait être solide s'il partait avec moi. Et puis, c'est un excellent marin, donc j'ai appris énormément sur cette transat. Et puis, on s'est tout de suite bien entendu, les choses se faisaient simplement, on se disait rien, ça se faisait comme ça, quoi. Non, je suis vraiment satisfait d'avoir fini cette course. Deuxième en plus, c'est top. Allez, à la tienne, à la vôtre. Bravo! Bravo.